Bonjour, dans ce tutoriel, nous allons voir comment on peut modifier la hauteur d'un morceau de musique, notamment dans le cadre d'un apprentissage d'un chant en chorale. Donc nous allons ouvrir le fichier, fichier ouvrir, nous allons sur le bureau, nous allons ouvrir ce fichier qui s'appelle Gipsy et nous allons sélectionner ici une partie du fichier, les 15 premières secondes. Et nous allons ensuite cliquer dans Effets, changer la hauteur. Et nous allons le diminuer de 3 tons. Donc on écrit moins 3. On peut faire un aperçu pour voir ce que ça donne et modifier. On valide. Maintenant, si on écoute. On voit bien la différence de hauteur. Maintenant, si on veut modifier le tempo, parce qu'on trouve que le tempo est trop rapide pour apprendre le chant, on fait la même chose. On choisit une partie du morceau ou la totalité et on fait effet, changer le tempo. Et là, on va pousser le curseur pour donner un tempo, par exemple, de moins 6. Hein? On peut cliquer sur aperçu. On valide. Et vous voyez que au niveau du temps, sur la bande, ça prend plus de temps, évidemment, puisque le tempo est beaucoup plus lent. Il suffit ensuite de faire fichier, exporter la sélection et de renommer son fichier en l'appelant, par exemple, Gipsy Apprentissage. On enregistre et on clique sur valider.